Et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Astérix et Obélix XXL2. Bonjour. Alors, vous l'avez vu en intro, je vous ai mis une petite vidéo sur l'édition limitée. Il y a aussi une édition collector à 89€, je crois. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je n'ai pas regardé. Et celle-là, c'est laquelle ? Limitée. D'accord. Marqué dessus, je viens de le délire en plus. Mais c'est pour savoir. Édition limitée à 39€. J'ai mis la vidéo en intro pour que vous puissiez voir ce qu'il y a dedans. Donc c'est un jeu qui était sorti en 2005 ou 2006, je sais plus, sur PS2. Et c'est pas un remake comme ils ont fait avec Spyro et Crash, où ils ont refait entièrement le jeu. Là, ils ont repris le jeu qui est sorti à l'époque. Ils l'ont retexturé en HD et en 60 images secondes. Ils ont dû modifier un petit peu quelques mécaniques de gameplay et c'est tout. Donc c'est vraiment le jeu qu'on avait à la base. Auquel je n'ai pas joué. Non, mais je ne connais pas. Moi non plus, j'ai joué que au premier en fait. Moi, à l'époque, j'ai pas joué à celui-là. Ils ont rajouté ça aussi. À l'époque, il y avait pas de mode de difficulté, on pouvait pas choisir. Par contre, on va baisser le son et vous allez voir que c'est carré master à ce moment-là. Parce que les cinématiques, ils les ont laissées comme à l'époque. Ils ont laissé les cinématiques PS2. Par contre, ils se sont pas fait chier. Donc ça se voit. Déjà, ils sont pas en plein écran, et puis bon, ça se voit quand même. Hein. C'est pas très beau. Ouais. Pour l'époque, j'imagine que si. Oui, c'était pas trop mal. Mais oui, forcément, on va baisser un petit peu. Par contre, c'est chiant, ouais, du coup. Pas qu'on ait l'écho. Bah, c'est l'avantage quand ils sortent un remake, c'est qu'ils refont vraiment tout. Gare Montparnasse. Ah oui, par contre, il y a beaucoup de trucs comme ça dans ce jeu. Il y a beaucoup de clins d'œil, il y a plein de choses. Ceux qui jouent à la console, l'espion qu'on a vu derrière, vous avez vu ce qu'il a, les trois points verts là. Vous savez à quoi ça fait référence. Là, Sam Fisher, évidemment. Vous étiez équipés à cette époque, hein, les Romains. Bravo, encore. Peace, comme on dit chez nous. Bien joué, mon cher. Quelle belle brochette de druides. Ils sont à toi, noble César. Fais-en bon usage. Compte sur moi, Panoramix. Qu'on les emmène. Notre druide.
reconnaîtra un traître quand j'en vois un, car je suis moi-même un traître. Et voilà. Sam Fisher. Ouais, c'est Sam Fisher normalement. Dans Splinter Cell. Tu viens jusque dans notre village pour calomnier sans preuve notre druide romain. Et en plus, tu avoues être toi-même un traître. Super Saiyan. Terminez son histoire, Astérix. C'est vrai que Panoramix était bizarre ces derniers temps. La semaine dernière, il n'a pas voulu me donner de potion magique. Vous n'allez quand même pas croire le premier romain venu. Il a disparu. Il est parti en traître. Je suis là. Vous voulez une preuve? Voilà. La cherche d'or de Panoramix. Partoutatis, si Panoramix était ici, je suis sûr qu'il nous donnerait une explication à toute cette histoire. Bellino seul sait où il se trouve désormais. Il est à Las Vegas. C'est quoi ça, Las Vegas? Las Vegas. Situé au cœur de Rome, cette ville de plaisir sera entièrement consacrée au jeu pour le plus grand bonheur des habitants de la cité. Ah. Eh oui. C'est des combats de gladiateurs 24 heures sur 24. C'est des esclaves livrés à des pauvres affamés 7 jours sur 7. Mais Las Vegas, c'est surtout un accueil unique. Une ambiance. Comment on dit ces choses-là? Oui. À balancer. À balancer, oui. On ne sait plus trop quoi en faire. On va le faire buter tous les jours, 8 heures du jour et de la nuit. Je vous accompagnerai, Gaulois. Tu resteras à l'écart, Sam Fisher. Tout ça sans le piège à plein nez. Mais nous n'avons pas le choix. Allez, en route, Obélix. Bon, voilà. Après 6 bonnes minutes de cinématique, voilà, là on voit que le jeu... Il a été retexturé entièrement, même s'il n'est pas méga beau. Il fait quand même son âge, mais c'est quand même un autre niveau que les cinématiques. Par contre, ce qui est dommage, on va regarder, mais non, c'est qu'il y a les deux personnages à l'écran, mais qu'on ne peut pas jouer à deux. Par contre, vous voyez, il y a un petit arbre de compétences, il y a des techniques, tout ça, ça se débloque au cours du jeu. C'est quand même dommage qu'on puisse pas jouer à deux. Par contre, un truc qui me... un petit peu, c'est que c'est pas vraiment fluide alors qu'on est sur Xbox One X, que le jeu en plus sur la boîte il est marqué en plus optimisé pour la One X, que c'est juste un remaster d'un jeu qui a 13 ans et que c'est même pas fluide, donc c'est un petit peu dommage. Fais penser à un lapin comme il court. Mais bon, bien sûr. Quel est donc ce personnage? Qui en plus tire de l'eau avec son machin. En plus? Hein? Ils ont joué à Mario Sunshine. Alors bon. Pourquoi est-ce qu'ils ont sorti un simple remaster de ce jeu comme ça d'un seul coup? C'est parce qu'en 2019, il va y avoir un XXL3 qui va sortir en fait. Et comme ça fait longtemps, à mon avis, ils ont dû se dire on va sortir un petit remaster du 2 et tout, histoire que les gens ils se rappellent que ça existe. Tu peux sauter sur les vaches? Oh la vache, comment il s'est allongé. Je pense que c'est ça, à mon avis, ils se sont dit, c'est pour que les gens se rappellent que ça existe. On va faire un petit remaster du 2, ça va les remettre un peu dans l'ambiance. La machine à sous, oui. Ouais. Ouais, Las Vegas. Ça va les remettre dans l'ambiance et puis il y aura le 3 qui va débarquer après. Donc, en espérant que le 3, bah, il sera à la hauteur au niveau visuel, évidemment. Ça, je ne doute pas qu'il sera plus beau que ça. Et puis que, bah, il modernise toutes les mécaniques parce que là, forcément, le jeu, il a 13 ans. Quoi ? Dans l'eau ? Non. Forcément, le jeu, il a 13 ans, donc il a les défauts qu'il y avait il y a 13 ans. Hein. Ils sont toujours là.
à se bastonner la gueule. On peut pas changer de... Ah si, on peut changer de perso, c'est bien ce qui me semblait. Dans le 1, on pouvait. Mais du coup, c'est dommage qu'ils aient pas mis un mode de joueur. Ça, par exemple, c'est un truc qui aurait pu être cool avec deux persos. Voilà, et là, on voit les cinématiques d'époque. Quand on voit comment était foutu l'herbe et tout à l'époque, ça piquait un peu quand même. Paf le traître. J'engendrais, oui, bien sûr. Bon, bah, il a pris cher, hein, le pauvre. Plus là, cher. Là, on saute. Ah, il y avait ça aussi, oui. Et là, on attrape. On met des claques. On va pas remiser des sous dans ce bordel. Il met des casques, il t'apporte quoi? Bah, c'est de la monnaie, alors après, ça va sûrement servir à quelque chose. Peut-être à acheter les compétences. Mmh. Ouais, je ne sais pas. Ou alors, on va les débloquer avec les niveaux, je ne sais pas. Tout ça, c'est des choses, je me souviens pas. En plus, j'ai joué au premier, je me rappelle pas s'il y avait ça dans le premier. Voilà, c'est plus efficace ce truc, visiblement. Des petits tacles à la gorge. Ouais, c'est mieux ça en fait. Ah bon, il y a aussi les caméras de l'époque, hein. C'est-à-dire que par moment, elles tournent pas vraiment comme il faudrait. Ah bon. Ça, c'est juste moi. T'es sûr que c'est pas là, vraiment ? Bah oui, faut aller là, faut suivre le bonhomme, là. Il est moins efficace que dans la BD Obélix, hein. D'habitude, il t'en met une et... T'as disparu de la surface? Bon, ah voilà, il y avait quelques petites énigmes de... Enfin, énigmes. On se comprend, hein, de temps en temps. Mais voilà, le but... En général, le jeu, c'est ça. Faut frapper du Romain. Faut pas chercher plus loin. Original. Mais... Obélix qui frappe du Romain. Oh. Du coup, c'est un jeu qui a une durée de vie de 8 heures à peu près, mais c'est 8 heures de ça, hein. Faut pas chercher plus loin. Monsieur, frappez consécutivement jusqu'à avoir vos poings en flamme. Frappez longtemps. Bon, c'est pas très compliqué. On va pas faire une vidéo méga longue, hein, de toute façon. Il va y en avoir des plus grosses, hein, début décembre.
sûrement une fusée à 5 ans. Oh. C'est violent. C'est le mode potion. Je vois pas trop où je frappe du coup avec tous ces effets, mais bon. Dans le tas. Bien. Je pense que c'est ce qu'il faut faire, hein, de toute façon. On va pas aller plus loin. Ça vole en tout cas. C'est violent. Hein. Mmh. Mmh. Ouais. Bon, par contre, ça me rappelle ma jeunesse. Venez me retrouver dans la prochaine salle pour allumer le deuxième plan. Par contre, ça rame. Est-ce que tu veux jouer? On va essayer. Bah, c'est pas compliqué. Hein. Tu changes de perso là, en gros. Et après, tu tapes avec X et B. Et puis voilà, hein. Et tu sautes sur le A. Et puis c'est pas compliqué. Il faut. Enfin, il faut que tu joues quand même. Passe pas ton temps à faire n'importe quoi. Je ne sais pas, Vélix, ce garçon m'inquiète de plus en plus. On va essayer. Oh, il ne passe pas. Le petit bouton là, c'est le petit bouton, ça ressemble au machin qu'il y a dans Sonic. Qu'est-ce que tu veux faire? Sauter sur le truc, faut pas que tu tapes là-dedans. Hein. On se demande bien pourquoi. Comment je fais pour comment est-ce qu'il est censé sauter dedans? Ah. Voilà, comme ça. Ok. Avec un bruit, presque sauter aussi bien que moi. Boum. Wow. Voilà. Truc un petit peu inspiré là aussi. Mais il y a beaucoup de références à plein d'autres jeux, plein d'autres trucs. Il y a certaines références qu'ils ont mis à jour d'ailleurs aussi. On a découvert qu'on devait être deux pour ouvrir certaines trappes. Ouh. Il y a deux boutons. Qu'il y a certaines références qui sont faites maintenant au prochain dessin animé, enfin film d'animation qui va sortir. Donc voilà, ça a été un petit peu mis à jour à ce niveau-là. Ça va, ça va pas être trop compliqué à voir. Si moi j'y arrive, finalement c'est à la portée de tout le monde. Chaise électrique. Il suffit qu'Obélix se place sur la marque au sol et d'appuyer. Pas besoin de maintenir le bouton. Alors, comment est-ce qu'on monte là-dessus? Il suffit de sauter? Mais oui, il suffit de sauter. Un levier à côté, oui. Quelques caisses. Pour l'instant, c'est pour découvrir un peu le fonctionnement du jeu. Oui, bah oui, de toute façon, au début, c'est toujours un peu des tutos. Hein. Oui, oui. Il faut être sûrement gros et fort pour pouvoir les détruire.
faut donc s'appeler Obélix. Je ne suis pas gros. Et là, on saute sans aller plus flambeau. On dirait des épreuves de Fort Boyard. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. Dégager le chemin en laissant ce petit rempart. C'est beau le bruit. Sûrement. Ça doit être ça. C'est pas rapide. Hein. Voilà, je t'en prie, pousse-la, la caisse. Sur l'Elix. On parle de l'Elix. Hein. Il peut soulever tout ce qu'on veut et envoyer tout ce qu'on veut dans l'espace. T'as vu les briques qui bloquent la porte? Ouais. T'es triste, dis donc. Tu peux pas taper dedans ? Bah non. S'il te demande de prendre la bombe, tu pars du mauvais côté là déjà. Dès le départ, je comprends pas ta logique parce que là, t'avais juste à te mettre de l'autre côté de la bombe et à la pousser tout droit. Et tu vas me juste faire. Juste pour avoir le plaisir de voir Obélix dans Dini. Allez, pousse-toi du mur. Et tu nous montres même pas l'explosion. Bravo. Pas ça explosé. Non mais bravo. Non mais comme ça on laisse la surprise. Je me tourne vers un mur, voilà. Non, je vous montre pas le jeu, je me tourne vers le mur. Le mur il est beau. Bon, je t'avoue, je cherchais le meilleur... Attends, elle est où la deuxième bombe parce que... On va retourner la chercher ou... Oui, une deuxième. Voilà, tu vas l'avoir, ton explosion. Bah pour l'instant, on va rien voir du tout parce que tu vas pas pouvoir la monter sur le truc. Comment on fait? Ah, si, il y a une rampe. Sur le côté là. Bah oui. Bah, faut que tu fasses le tour du poteau. C'est ce que j'étais en train de faire. Non mais. Ah ! Mais là encore, je comprends pas pourquoi t'es parti dans ce sens là. Mais non mais, je voulais pas me mettre dans ce sens là. Non mais, c'est lui, il fallait faire le tour par là. Non mais, c'est à partir du moment où il a chopé la bombe, tu peux. T'arrives pas à le décrocher. Doucement, doucement. Bon, elle va péter. Ça a râpé le bord. Allez, 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 allez. Je ne suis pas gros. Non. Non. Allez, on refait pas la même bêtise. Tu grimpes. Non. Allez! Doucement, parce que tu vas tomber, tu vas voir. Pouf! Reste pas là, toi. T'inquiète. J'ai vu un Romain courir. Ah non, c'était peut-être pas un Romain, c'était peut-être l'autre, là. Ah non. Faut lui claquer sa face de Romain. Non, tombe pas. C'est fair, hein. J'y ai cru, là. On va recommencer, c'est pas grave. Vous n'êtes pas des héros pour rien. Mais attention, vous avez dans le cœur des cartes, vous aurez des spécialistes. Vous serez retenu prisonnier au petit Vénitia. Il s'agit peut-être de Panoramix. Trouvez le moyen d'entrer dans le petit Vénitia et allez le libérer. Moi, je serai toujours dans le coin pour vous donner un coup de main. C'est gagné le casque d'argent. Le casque de diamant, s'il vous plaît. Attends, diamant. S'il vous plaît.
De quoi, les casques? Ils sont pas faciles à trouver? Bah, les casques en diamant. Ah oui, mais c'est bon. T'es chelou, toi. Ouf. Oh là là, attention. Attention. Ça va frapper. Reste en arrière sur toi, Astérix. Hein. Lève-toi. Allons. Tiens, Mario. Ah, il fait très bien. Bon, après, c'est du matraquage de boutons X, hein, en gros. Oui. Bah, c'est surtout que, avec tous les effets, tu vois pas trop où tu tapes. Donc, Puis après, il y a des combos qui vont se débloquer. Donc après, tu restes en face et tu tapes. Ce sera pas que du matraquage de boutons X, après, il y aura des combos. Tu crois qu'on peut rentrer? Bonjour. Non, mais t'avais une carte. Mmh. Tiens. Il y a des fixes qui fait un peu. Mais oui, je veux voyager, tiens. Et il va falloir pousser ce machin-là. Ah, faut rester appuyé, d'accord. T'as raison, Baba Rome. Pour l'instant, tu t'as pas été ailleurs encore, donc tu peux pas voyager. Ouais, mais donc ça sert à voyager. Allez, on pousse, on pousse, on pousse. Méga bloc. Poui, 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 poui. Ah, il y a un casque en l'air. Okay. Il y avait un en or aussi. Où ça va? À gauche. Je vais regarder un peu autour. Faut me grimper. Ou alors qu'on va après, t'inquiète. Qu'est-ce qu'il y a là? Quoi? C'est parce que t'as un truc là-haut, mais pour l'instant... Oui, t'as un gros truc. C'est lequel là? Oh! Il m'a fait un grand écart. Allez, bouge. Pouf. Tu crois que je saute? Ouais, essaye, tu verras bien. Je me trompe pas. Ah, parce que depuis tout à l'heure, t'es toujours pas sûr de la douche. Non, c'est pas là. Oh, il nage. On va pouvoir aller chercher ton or. Ouais, je pensais pas, je me rappelais pas de ça, en fait. Qu'on pouvait nager. Je t'avoue que je m'attendais pas à nager. Je pense qu'on va bientôt s'arrêter, hein. Ouais. Hop. C'était vraiment pour montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Comment on peut pas faire un combo. Ah, c'est ça que je cherche pourtant. Tac. Non. Qu'est-ce que t'essayes de faire? On peut pas. On peut pas. Je voulais rentrer par là, mais on peut pas. Et non. It's not possible. Il y a une espèce de chaise encore où Astérix est le seul à pouvoir monter. Ouais. Vas-y, donne-moi de soulier, toi. Alors. C'est pour récupérer des cœurs. Une porte ouverte? Et non, c'est du décor. Bon, en tout cas, moi j'ai quand même bien hâte de voir ce qu'ils vont faire sur le 3, puisque ce sera vraiment remis au goût du jour, ce sera un jeu vraiment récent. Donc voir ce qu'ils feront. En attendant là... Comment est-ce que je vais chercher les boucliers là? Si vous êtes fan de d'Astérix, que vous ne l'avez pas fait à l'époque, éventuellement, à 39 euros, ça peut être une bonne idée. Je pense que le collector, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais 89, c'est peut-être un peu trop cher pour un jeu juste remasterisé comme ça. Et puis, bah, sinon, pour les enfants, éventuellement. D'accord. Bon, il fallait pas taper. C'est des défis, ça. D'accord. C'est quoi ces bonhommes? Ils sont deux. C'est encore plus du matraquage. J'attends, on voit pas.
Regarde là, un truc de cadeau. Putain, il m'a balancé quoi là? Non, on s'est débarrassé des gros. Ah non, ils reviennent. Tout va bien. Ça, c'est du défi. Le jeu, c'est déjà de la baston 80% du temps. Les défis, c'est de la baston. On va y arriver comme ça, je te le dis. Voilà, on va revenir, tu crois? Ah oui. Oh, un gros. Deux très gros. Ouais. Bah, tu vas pouvoir mettre pause, on va s'arrêter. Yeah, bah, t'es mort, de toute façon. On va s'arrêter là-dessus. Astérix, c'est les morts. Non. Eh oui. Bah, on va s'arrêter. Tape pas dans ce truc. On va s'arrêter là-dessus pour cette vidéo. Salut à toutes et à tous. Salut.